Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de Booster XY3 Point Furieux. Oui, nous les avons avec David qui est avec moi. Pour cette ouverture, enfin nous avons réussi à nous les procurer et nous sommes trop contents. Ah. Juste avant, David vient de faire son ouverture, il a eu une superbe pioche, je vous invite déjà à aller la voir. Après la mienne, hein. Parce que bon voilà, je sais pas encore ce que je vais avoir. J'espère avoir une aussi bonne pioche que lui dans cette ouverture, mieux, hein. Je l'espère vraiment. Donc je vais vous présenter les quatre illustrations. Tout d'abord nous avons l'illustration Rexilius que j'aime énormément, je pense que c'est ma préférée. Les boosters sont vraiment magnifiques, le derrière des boosters je l'aime beaucoup aussi, donc j'ai trois Rexilius. Ensuite le Mega Scarino qui est super joli, ça doit être la tienne de préférée. Ça c'est ma préférée, écoutez, hein. Voilà. C'est le Mega Scarino. Bon pour l'instant c'est ma préférée, après peut-être que ça va changer par la suite, mais j'opte plus pour le Mega Scarino. Voilà, ensuite on a Mega Lucario et j'adore le derrière de ce booster, je le trouve magnifique. Dites-moi bien sûr, quelle illustration est-ce que vous préférez entre les quatre? Après, il faut avouer que c'est un peu mieux fait XY3 ouais. XY2. Carrément. XY2, le Kangourex, c'était pas si beau que ça. Hein. Carrément, et puis, enfin, les quatre boosters sont magnifiques et c'est difficile d'avoir une préférence pour un des quatre parce que les quatre boosters sont vraiment super jolis. Donc alors, comment est-ce que je vais ouvrir ça? T'as eu beaucoup de chance dans les Méga Lucario, donc je pense garder les Méga Lucario, les Scarino, les Brutalibré, et je vais commencer par mes préférés. Voilà, on va le faire comme ça. Ah, voilà, c'est bien comme ça. Bah, écoute, bonne chance ma puce. Voilà, hein. Merci bébé. Bah, on est parti avec le premier booster, Rexilius, que j'aime beaucoup. Il est vraiment super sympa. Alors voilà les codes online que vous pourrez trouver. 1, 2, 3, 1, 2. Hein, ça reste toujours le même système, ils n'ont plus changé depuis longtemps. Et on est parti pour cette ouverture XY3 Point Furieux avec un Polarume, Gringolem, Pandespiègle, oh, super, on l'avait pas eu dans l'ouverture de David celle-ci, Magmar, Mélophée, très joli, Trousselin, Tyrannidur, un Entretien en Dresseur, un Raichu, super, un peu comme une reverse. Alors j'adore cette carte, alors la voir en reverse directement, c'est super. Elle n'existait pas en japonais, super. Donc ça c'est cool. Voilà, elle n'existait pas en Jap, donc c'est super. Et un Pandarbar en rare pour commencer en douceur. Voilà. La réaction d'une carte pour moi qui n'a pas été éditée à cause du tsunami au Japon. Là. Ah, c'est celle-ci On dirait. Je sais pas ce que t'en penses, je voulais juste te le dire. Ah, voilà. Je sais plus. Je l'ai vu en plus cette promo, mais je me souviens plus si c'est celle-là. Hein. C'est vrai que c'était le même style. Ratantif, Balignon, Mélophée, Craquenois, Rapion, Capoeira. Oh. J'essaye de pas aller trop vite pour que vous voyez bien. Alors là, ça s'appelle comment? Collecte d'outils. Ok, nous, on appelait ça les mains. Super. En même temps. Un Mélophée. Ensuite, en reverse, un peu siffé en commune reverse. Oui. Super mignon. Et en rare, un Chapignon. Un petit Chapignon. Ok. Bon, bah écoutez, moi, ça me fait plaisir. On continue avec le troisième booster, Rexilius. Et c'est parti. J'espère vraiment avoir une ultra rare. Bien sûr, dans cette extension, on va retrouver un Dracolos X et un Dracolos Full Art. J'espère vraiment avoir les deux. Hein. Bah, je pense que je les aurai, mais les avoir en ouverture en booster, ça serait magnifique. Moi, je dis maintenant. Posipil, Mélophée, Evoli de Suie, que je vais garder bien précieusement, Electek, Scrutella, Bousiflore, Total Soin, ça on l'avait pas encore vu. C'est beau quand même. Ouais, une énergie renforcée du coup. Alors en reverse, un Balignon en commune reverse. Et un Menaflemite holographique. Super, on l'avait pas encore vu celle-ci. Elle est vraiment magnifique. Moi je l'aime beaucoup. Elle est très sombre. On a du mal à la distinguer. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Donc c'est un nouvel illustrateur qui s'appelle Planeta. Oui, vous pouvez pas voir Planeta. Parce que j'ai caché avec le petit sigle. Mais voilà, c'est un nouvel illustrateur qui est apparu dans XY3. Et franchement, Planeta, je pense que c'est un illustrateur que je vais aimer autant que celui. C'est vraiment super ce qu'il fait, des cartes en mouvement, c'est de la 3D mais pas non plus la 3D que j'aime pas quoi, c'est de la jolie 3D je trouve donc. Après Planeta on dirait plutôt un nom de logiciel puisque là tout est écrit en majuscule, alors d'habitude c'est que la première. Ah c'est peut-être un... Oui mais c'est déjà en derrière le logiciel. Oui mais je veux quand dire... T'imagines, petit art, Craquenois, Pandespiègle, Poussifeu, je sens un Dracolos, Mélophée, ce serait bien, Raichu, Vigorotte un peu commune, celle-ci on l'avait pas eu, une énergie, donc c'est une phyto-énergie, d'accord, pourquoi pas, alors un Maconière, c'est une Holo Reverse il me semble, donc super,
et un Ariama en rare. Donc un très bon booster avec une holo reverse et une rare. On continue et cette fois-ci on entame le deuxième booster Brutalibré. Allez, on espère avoir une ultra. Après Brutalibré, ils l'ont rajouté dans l'extension. Oui, ils ont rajouté d'ailleurs Brutalibré X. Donc comme je l'avais dit quand j'ai ouvert la Mega Lucario Box, ils ont rajouté en plus le Brutalibré X qui était dans cette Mega Lucario Box japonaise, mais pas de Brutalibré Full Art malheureusement. Cracnoa, Parecool, Polarum, Rapion, Evoli, un fossile mâchoire, Super Rappel, Miradar. Un Ampiflore, il me semble que c'est une holo. Oui, c'est la. Exact. Ouais, c'est une holo reverse, donc super, encore une holo reverse, elle est très très jolie, celle-ci, je l'aime beaucoup. Et un Filali en rare. Oh, bah ils ont mis tous les Evoli, enfin tous, non, mais beaucoup d'Evoli en rare, c'est-à-dire Filali, Givrali, Nymphali. Alors, est-ce qu'après ils ont mis les autres, ça je pourrais pas te dire, je sais juste que nous on a eu dans mon ouverture le Givrali. Ouais, je pense après... pas qu'ils ont mis les autres parce que. Ouais, non, ils ont pas mis les autres, mais en tout cas il y a ces deux-là, enfin ces trois-là. Et c'est très cool déjà, je trouve. Magmar, Mélofée, Flingboost, Pikachu, ah, super sympa. Mignon. Scrutella. Donc, ah oui, il y a 111 cartes dans cette extension. Et voici le sigle de cette extension. Allez, focus, fais-toi. Oui, c'est alors vrai. C'est une sorte de point, si vous voulez. C'est vraiment sympa, moi j'aime bien. Je trouve ça joli et je trouve ça travaillé surtout. Capoeira, une collecte d'outils. Mélodelphe, un matchhopper un peu comme une reverse, et encore un Filali en rare. Bon bah deux fois le même Filali, c'est pas grave. Il nous reste 4 boosters. Là c'est les meilleurs boosters qui va dresser. Les méga Lucario ont l'air d'être les meilleurs, donc écoute. On va bien voir, j'espère. On va bien voir. J'ai fait n'importe quoi. Non, j'ai bien fait. Non, parce que je le fais tellement vite que du coup, des fois je me trompe. Exelangue, Petitard, Parocool, Sonistrel, Soporifique. Coup de langue, Amagara, échange d'énergie, sympa, Trousselin en peu comme une reverse, et un Boreas en rare. Ah oui. Ouais, ah je oui. Savais qu'ils allaient la mettre en rare celle-ci, mais en holo, c'était mort, quoi. Non, mais je veux dire, ouais. Parce qu'ils ont tendance à enlever les holos des japonais, enfin du bloc japonais au bloc français, donc ils pouvaient pas nous rajouter de Boreas holo. Mais on a le Demeteros en holo qui est très joli. Escargome, Negapi, Makuhita, Balignon, Baguiguane, Ceinture Force, Collecte d'outils, oh, j'ai trois, que des dresseurs, Fossile Nageoire, oh. Un Dragmara, cette fois-ci un Rare Reverse, oh. Et Mega Scarino X. C'est fou! Eh ben, écoutez, c'est en fait la. Je vais spoiler un petit peu. Non, je spoil pas. Ok, David veut pas que je dise. Mais allez voir l'ouverture de David et vous comprendrez notre réaction. Voilà, Mega Scarino X. C'est pas la secrète, hein, c'est la 5 sur 111 et le méga n'est pas en doré. C'est ni trop ça. Bien, c'est trop bien bébé. Ouais, je suis contente. Putain, yes. Allez, on continue, il nous reste 2 boosters à présent. Attends, tu nous sors le Dracolos Full Art et une secrète. Ah oui. Non, ah, ouais. Ah bébé, c'est officiel, les méga Lucario c'est les meilleurs. Bah je pense. Bah moi je te l'avais dit avant même pour les ouvrir, hein. Moi je pense que méga Lucario c'est les meilleurs. Mélofée, Makuhita, Soporifique, absolument, Baguiguane, Chetiflore, Bellsprout bébé, Bellsprout. C'est Bellsprout en anglais, Trousselin, Coup de langue, Galifeu, un Rapion en commune reverse, et oh, oh super, oh, elle est belle, elle est trop belle, waouh, Bruiverne en holo, j'aime beaucoup l'espèce de cercle si vous voulez, qu'il y a autour du Bruiverne, c'est vraiment magnifique. Je vais vous montrer de plus près. Elle est vraiment bêtise, super jolie. Est-ce que c'est pas l'holographie que tu avais dans le kit XY de récent? Alors, moi je l'ai pas ouvert, je peux pas te dire, mais je crois que tu l'as ouvert. En fait. Il me semble que... Je sais plus. Franchement, je sais plus. Ça ressemble. Mais alors, est-ce que c'est celui-là? Non, en tout cas, moi je trouve vraiment... Je suis pas sûre. Les holos ont l'air vraiment de... Enfin, XY s'améliore de plus en plus. Vraiment, je reste sur cette opinion, moi perso. C'est vrai, ça en est connu. Scrutella, Electek, Excellangue. Sonistrel, Posipi, super, Galifeu, un stade de combat, un Mesmerella, un Maganon, je crois que c'est une holo reverse celle-ci aussi, j'en suis pas sûre, encore une illustration de Planeta, et pour finir cette ouverture, un Tarpo en rare. Bon bah écoutez, moi je trouve que c'est une ouverture plutôt très correcte, très pourquoi correct. Parce que sur 10 boosters, clairement on a eu 2 holographiques et une ultra rare, donc il s'agit de Monaflémite holographique, Bruiverne holographique et pour finir
Mega Scarino X. Voilà. Donc écoutez, c'est super correct. Moi, je suis très contente de cette ouverture. J'ai eu quelques Coloriverse quand même. Ouais, j'ai eu quelques Coloriverse aussi, mais bon, moi j'aime surtout montrer les holos et les ultras à la récap. Normal, normal. Donc voilà. Bah, je suis vraiment contente. J'espère que vous avez apprécié cette ouverture. Bien sûr, les ouvertures XY3 vont continuer sur nos deux chaînes respectives. Exactement. J'espère que ça va vous plaire et que vous continuerez à suivre nos vidéos. Voilà, donc bah écoutez, on vous fait des gros bisous. Et on vous dit à bientôt. À bientôt.